Elle a l'air neuve. Y a pas une rayure. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être Edouard aux mains d'argent. Bon, ok. La tronçonneuse, c'est un peu moins classe que les ciseaux, mais quand même. J'ai moyennement envie de me geler la main. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Eh, bonne idée. Je vais essayer de copier la technique de l'ours. Voyons si je suis aussi doué que lui. La crosse est plate et lisse. J'ai pu toucher un saumon, mais il a filé aussitôt. Faire une chouette imitation de pattes d'ours. C'est plutôt prometteur. Prenez garde, saumon. Me voilà. Bon, espérons que mon idée va fonctionner. Incroyable! J'aurais jamais cru que ce serait si facile. Il m'aura fallu du temps, mais je l'ai enfin, un magnifique spécimen de saumon d'Alaska. Je ferais mieux de l'amener à Archibald rapidement avant de me mettre à puer le poisson. Archibald est un sacré personnage. Vu le zozo, je préfère éviter de m'approcher de chez lui. Je vais le tenir au courant de mes progrès. Ça lui évitera peut-être d'oublier l'accord que nous avons conclu. Regardez, je vous ai apporté tout ce que vous m'avez demandé pour préparer des sushis. Et j'ai aussi l'argent. Je peux vous demander quelque chose, Archibald ? $1000, c'est un peu rude pour une assiette de sushi. Il me paraît juste que vous baissiez un peu votre tarif. Comme tu voudras. Mais si tu baisses le prix, moi je baisse la qualité. Logique. Donc au final, je vais toucher moins de $1000. Alors t'auras une assiette de sushi, sans poisson, sans riz, et avec juste ce que j'aurais envie de mettre dedans. Ça dépendra de ta capacité à survivre à une autre bouteille dans la tronche. J'ai des questions peut-être un peu personnelles à vous poser. Bon, alors au cas où il faudrait recommencer tout notre petit cirque, chaque fois que tu m'ouvres, tu me donnes une nouvelle raison de m'apitoyer sur ton existence pathétique
et tu augmentes mon désir d'y mettre un terme rapidement et sans douleur. Compte tenu de l'état végétatif dans lequel stagne ta cervelle, je pense qu'on pourrait raisonnablement considérer ça comme de l'euthanasie. Comment faites-vous pour entendre un sifflet qui n'émet aucun son ? Bien sûr qu'il émet du son. La moitié de l'espèce humaine est à moitié sourde, c'est une chose. Avoir autant de défauts que toi, ça s'en est une autre. Vous vous promenez pieds nus parce que vous n'avez pas de chaussures ? Ou parce que vous avez fait vœu de quelque chose ? C'est ça que tu crois ? Bah alors, je vais te dire. J'ai fait vœu de ne jamais révéler pourquoi je me promène pieds nus. Vas-y, cogite là-dessus. On dirait que votre douche est en panne. Ou votre machine à laver. Ou les deux. T'es en train de me traiter de porc, là. Bah, va falloir t'y faire. Je sens comme je sens. Je sens l'être humain. En d'autres termes, je sens ce que je suis censé sentir. Si je ne m'abuse, tu sens le lait hydratant, la mousse à raser en gel à l'aloe vera, le conservateur, les arômes artificiels B303, F507 et H452. Le tout ajouté à ce fameux parfum à base de sueur de chameau qui semble tellement à la mode ces temps-ci. Conclusion, le seul porc ici, c'est toi. Et t'as dépensé une fortune pour obtenir ce résultat. Bravo! Wazowski m'a raconté que vous l'avez frappé, que vous lui avez bandé les yeux et que vous lui avez fait boire du venin de tarentule. Wazowski est un crétin. Il était tellement bourré qu'il est tombé de son échelle. Alors je l'ai pris sur mon épaule et je l'ai remonté dans sa cabane. J'ai mis une serviette mouillée sur sa tête pour faire baisser la fièvre, mais il s'est mis à délirer et à débiter tout un tas de conneries sur les ours. J'ai donc préparé un bouillon de térébratule. C'était un brachiopode inoffensif afin de l'aider à dormir. Tout le reste n'est que le produit de son imagination crétinoïde. Vous connaissez la théorie de Wazowski sur la raison pour laquelle les ours se grattent ? J'ai une bonne raison de la connaître, vu qu'elle est de moi. C'est moi qui ai découvert que les femelles en chaleur se faisaient des griffes sur les bouleaux pour en faire couler la sève. Elle est sucrée comme du miel et peut servir à préparer un délicieux sirop. J'ai ensuite remarqué qu'elle se frottait le dos contre le tronc pour se couvrir de sève. Quand un ours passe par là, il sent son dos, lui grimpe dessus pour le lécher et... Bah, la nature se charge du reste. Mais bon, je me fiche que Wazowski m'ait piqué cette théorie. J'ai l'habitude de ce genre de choses. Et puis, si ça peut l'aider à croire que sa vie a un sens de temps en temps. Je crois que nous devrions aborder des sujets plus importants, Archibald. Je tremble à l'idée de ce que tu dois considérer comme important. Ça va prendre longtemps à préparer ces sushis ? Où comptez-vous me les laisser ? Ça va prendre longtemps pour que t'arrêtes de fourrer ton nez dans les affaires des autres ? Ce sera prêt quand ce sera prêt. Ça m'étonnerait que tu comprennes, mais je vais quand même essayer de t'expliquer. Si tu viens et que tu vois pas de sushi nulle part, alors ça veut dire que c'est pas prêt. Mais si tu viens et que tu vois une assiette de sushi, oh, ça veut dire que c'est prêt. T'arrives à appréhender le concept ? Oui. Mais si vous laissez les sushis ici, un animal risque de venir les manger. Vous pourriez peut-être les laisser là-haut, dans la cabane ? Jamais ! Cette baraque pue la pisse d'ours. Ça ruinerait l'arôme des sushis. Ne serait-il pas plus simple que je vienne chercher les sushis chez vous ? N'y pense même pas, gamin ! Considère-moi comme un SDF. Il vaudrait peut-être mieux que vous les déposiez dans le refuge, là où mon ami attend. Oh, le petit chéri à sa maman exige d'être livré à domicile ? Si c'est ça que tu veux, commande une pizza à Sisley. Elles sont dégueulasses, ça devrait te plaire. S'il vous plaît, Archibald, apportez-moi les sushis au refuge. Ok, mais les faveurs, ça se paye. Mon tarif vient d'augmenter. C'est impossible ! Je vous ai donné tout ce que j'avais ! C'est bon à savoir. Ce soir, je dégusterai les sushis en me demandant où j'ai bien pu trouver les 1000 dollars qui sont dans ma poche. Mais que voulez-vous de plus ? Les vêtements que j'ai sur le dos ? Il n'y a qu'une seule chose qui me dégoûterait plus que de devoir porter tes ridicules fringues pour bébé, c'est de devoir supporter le spectacle de te voir à poil quand tu les enlèveras. Mais je vois vraiment pas ce que je pourrais vous offrir. Laisse-moi réfléchir. Si je ne m'abuse, tu trimbales un téléphone portable, non ? Oui, mais... Il m'a coûté une fortune. Oh, je pensais pouvoir le revendre, mais tant pis. Je t'apporterai les sushis, mais en échange, tu me foutras la paix et tu disparaîtras d'ici pour toujours. Merci beaucoup, Archie. Archie ? T'as eu les couilles de m'appeler Archie ? Qu'est-ce que t'as cru, là ? On était copains ? À moins que tu ne te sois cru en droit d'insulter le bon goût de mes parents avec tes surnoms ridicules ? Désolé, Archie, je... Encore ? Espèce de sale... Ok, amoule le téléphone. Le téléphone, sinon j'arrête les frais. Bon, puisque j'ai pas le choix.
au refuge. D'accord ? Si j'avais su que tu faisais ça pour nourrir le cousin aveugle des village people, j'aurais préparé les sushis avec tes yeux. Que ce soit clair, gamin, si tu m'emmerdes encore, je fais des raviolis vapeur avec tes bijoux de famille. Non, c'est bon, ça sera pas nécessaire. Quoique tu pourrais aussi finir en saucisse. Allez, à plus ! Bon débarras. Espèce de sale. Là. Joshua, à table. C'est pour qui le bon miam miam ? Délicieux. Y a quoi en dessert ? Hey, oh ! Et le mot de passe ? Oui, oui, je m'en souviens. Et où vous allez ? Youhou ! Oh là là ! J'ai faim ! Non mais quel abruti de compète celui-là ! Bon, au moins la neige s'est arrêtée de tomber. C'est toujours ça de prix. Ok, ça m'apprendra à la fermer. Je vais aller voir comment va Joshua. Je ferai pas un pas de plus. Après ce qui est arrivé à Joshua, j'ai franchement la trouille. Cette glace risque de céder d'une seconde à l'autre. Il a pas l'air de trop s'inquiéter. Joshua ! Ça va ? Pas vraiment ! J'ai encore faim ! Mais c'est pas vrai, ce type est un estomac sur pattes. Il risque de couler au fond du lac d'un instant à l'autre, et il ne pense qu'à manger. Je vais vous tirer de là en un clin d'œil, Joshua ! Ok, mais pensez à apporter un dessert. Ça pourrait être pire. Au moins, le bloc sur lequel se trouve Joshua n'a pas l'air de fondre trop vite. Servir pour tirer Joshua jusqu'à la berge? Enfin, si j'arrive à le faire marcher. Ça m'étonnerait qu'il démarre. Et puis, vu son état, il risque pas d'aller bien loin. Ça m'étonnerait qu'il démarre. Et puis, vu son état, il risque pas d'aller bien loin. Ça m'étonnerait qu'il démarre. J'espère que la portière ne va pas me rester dans la main. Ça m'étonnerait qu'il démarre. Ça m'aurait étonné. La batterie est morte. Il marchera pas si j'arrive pas d'abord à faire démarrer le pick-up. Si j'arrive à faire démarrer le moteur, je pourrais me servir du treuil. Coup de bol, la clé sur le contact.
Il démarre pas. Ça m'aurait étonné. Il y a de l'essence, mais le voyant de batterie ne s'est pas allumé. C'est donc qu'il y a un problème avec le moteur. Je suis pas vraiment un as de la mécanique, mais je peux toujours ouvrir le capot pour jeter un coup d'œil. Ah ! La tige qui sert à maintenir le capot ouvert semble avoir disparu. La crosse risque d'être un peu longue, mais ça pourrait marcher. Je ferais peut-être mieux d'enlever d'abord la patte d'ours. Nickel. Bon, je vais pouvoir inspecter ce moteur de plus près. Bon, voyons si j'arrive à comprendre pourquoi il ne démarre pas. Ah bah, il n'y a plus de bougie. C'est pas trop mon domaine, mais je vais jeter un coup d'œil. Ah bah, il n'y a plus de bougie. Elle sera peut-être utile lorsque le soleil sera couché. Non, je serai content de la trouver quand il fera nuit. Joshua est vraiment un fan de sushi. Il les a littéralement dévorés. Il a vraiment rien laissé. Bon bah, je vais manger la table alors. Je préfère éviter, je risquerais de tout casser. Pas la peine, le feu a bien pris. Brooks was here. Ça me rappelle un de mes films préférés. Une gamelle ronde typique. Je hais ces trucs-là. J'en aurais pas besoin. Ça me rappelle trop l'époque où j'étais boy scout. Et ce sont vraiment pas des souvenirs heureux. C'est ce qui sert de manteau à Joshua. Je suis pas d'humeur à jouer à me déguiser. Il y a quelques vieilles bouteilles sur l'étagère du haut. Le reste est vide. Elle a vu des jours meilleurs. Il ne viendrait pas à l'idée de faire une omelette dedans. Elle a vu des jours meilleurs. Il ne viendrait pas à l'idée de faire une omelette dedans. Je veux même plus poser les yeux sur cette chose. Il mériterait de passer quelques années sur ce glaçon pour avoir été aussi stupide. Accrochez-vous, Joshua! Ah, je ne sais pas si j'en aurai la force. J'ai tellement faim!
Étonnant que ces engins puissent fonctionner si longtemps à des températures aussi basses. J'aurais dû filmer cette petite scène entre Wazowski et son ours. Ça aurait sûrement fait un carton sur Internet. Il appartient à Wazowski. Je sais pas trop pour les autres, mais il est indubitable que cette essence est efficace. Ça m'étonnerait que les affaires de Wazowski puissent m'être utiles en ce moment. L'idée d'être filmé me déplaît fortement, à vrai dire. Voilà pourquoi je pourrais jamais m'inscrire à la Starac. Ça ne me paraît pas être une bonne idée. Et ça risquerait de faire empirer les choses. Quand j'aurai récupéré Joshua au lac, nous pourrons enfin voir le professeur Simon. Les aboiements de ces chiens me fichent les jetons. L'idée de faire le mur ne m'a bien évidemment même pas effleuré. Non merci. J'ai vu le résultat sur Joshua. Je refuse d'y toucher. Il ne reste plus beaucoup de baies. Joshua a presque tout gobé. Elle est très bien plantée dans la bûche. Et puis, ça donne une petite touche rustique au décor. C'est pas Excalibur, ça c'est clair. Vu le zozo, je préfère éviter de m'approcher de chez lui. Cet Archibald est un sacré personnage. On dirait du chêne, ou un bois du même genre. Je peux pas l'ouvrir, il y a un cadenas. Il y a des lois pour punir la violation de propriété privée. Bon, ok, j'arrête pas de les enfreindre. Mais c'est pas une raison pour jouer les cambrioleurs. De vieux ustensiles cabossés, mais encore utilisables. J'aurais pu les apporter à Archibald pour qu'il prépare les sushis, mais il me les aurait probablement tous balancés à la figure. Si je continue à le regarder, je vais me mettre à bâiller. J'aurais bien besoin de me reposer un peu, mais j'ai des problèmes importants à régler en priorité. Il est éteint. Elle est couverte de poussière. Elle doit pas beaucoup servir. Elle pourrait peut-être me servir, mais je vois pas trop à quoi. Je vais la laisser là pour l'instant.
Ah, allez, elle ne pèse pas si lourd. Je peux encore la trimballer un peu. Le poêle est éteint, ça servirait à rien. Le bois est un peu sec. Elle sert à enlever les cendres du poêle. Non, je vais la laisser là où elle peut servir. Il y a une lame sous la semelle. Non, non, je passe. Ça ne m'avancera à rien. Il y a des lois pour punir la violation de propriété privée. Bon, ok, j'arrête pas de les enfreindre. Mais c'est pas une raison pour jouer les cambrioleurs. Me voilà subitement devenu la réincarnation de Jimi Hendrix. Je vais réessayer. J'aurai peut-être de la chance cette fois. Vraiment bizarre. En plus, j'ai absolument aucune idée de ce que je viens de jouer. Ça me rappelait quand même quelque chose. Mais quoi ? Ça ne m'avancera à rien. Je me demande à quoi ça peut servir à Wazowski. Je vois pas vraiment à quoi il pourrait bien me servir. Et puis c'est trop encombrant. Cette idée ne me plaît pas. Non. Une tronçonneuse est loin d'être un outil de précision. En plus, je risquerais d'abîmer la chaîne et je pourrais plus m'en servir. Avec ce bout de ferraille émoussé, ça me prendrait des heures. Et en plus, je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Ouais, c'est ça, je vais tout péter. Nos futurs. Ça va faire avancer le Schmidblick, tiens. En quoi pourrait-il m'aider maintenant? Et vu son caractère, il serait fichu de piquer une colère si je le félicitais pour ses sublimes sushis. Quand j'aurai récupéré Joshua au lac, nous pourrons enfin voir le professeur Simon. Ok, mais à mon avis, ça ne servira à rien. Yes. Je viens de la part du professeur Pierre Pignon. Il m'a confié un message pour vous. Celui qui sait ne parle pas. Il pourrait parler, mais il préfère se taire. M'intéresse pas. Une chose est sûre, je ne passerai pas sans ce mot de passe. Thank you.
Ça ne rime à rien. Quel est l'intérêt de découper ça? Utiliser un couteau qui aurait du mal à découper du beurre pour découper quelque chose que je n'ai aucun intérêt à découper? Mais d'où je sors cette idée, moi? Avec ce bout de ferraille émoussé? Ça me prendrait des heures. Et en plus, je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Non, ça ne me dit rien. Ça ne m'avancera à rien. Non. Une tronçonneuse est loin d'être un outil de précision. En plus, je risquerais d'abîmer la chaîne et je pourrais plus m'en servir. Non. Une tronçonneuse est loin d'être un outil de précision. En plus, je risque... Et une fois que j'aurai réduit en miettes tout ce qui m'entoure avec ma tronçonneuse, je ferai quoi? Non. En plus, je risque... Non. En plus... Elle contient encore un peu d'huile. C'est toujours une bonne idée d'avoir un peu d'huile sous la main. C'est tout. Ce n'est pas une bonne idée. Si j'arrive à le faire marcher, je pourrais sûrement me lancer dans la pêche au gros nigaud. Là, je vois pas. Ça ne rime à rien. Ça ne m'avancera à rien. Rien. Il démarre toujours pas. C'est pas sorcier, les bougies ont disparu. C'est pas moi? Personne ne m'a vu le décapiter. Vous n'avez pas de preuves. Couvert de neige. J'ai pas envie de m'asseoir. Je vois rien d'intéressant dans cette direction. Je suis pas un expert, mais je crois qu'il s'agit de boulot. Ou un truc dans le genre. Avec ça, plus le bois à l'intérieur, il y a largement de quoi entretenir le feu pendant un moment. Mériterait de passer quelques années sur ce glaçon pour avoir été aussi stupide. Je vais vous tirer de là, on a un clin d'œil, Joshua! Ok, mais
Pensez à apporter un dessert. Je ne vois pas à quoi ça pourrait servir. Ce n'est pas une bonne idée. Cette idée ne me plaît pas. Si je commence tout de suite et en ne prenant aucune pause, je devrais avoir terminé d'ici 4,52 siècles. À un ou deux ans près. Mais d'où je sors ces idées? Des fois, je me demande. Avec ce bout de ferraille émoussé, ça me prendrait des heures. Et en plus, je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Non, ça pourrait me servir. Hé, je suis pas un pyromane. Ça ne va pas marcher. J'aurais bien aimé y goûter, mais c'est à peine si Joshua a laissé un pauvre petit grain de riz. Joshua est vraiment un fan de sushi. Il les a littéralement dévorés. J'aurais bien aimé y goûter, mais c'est à peine si Joshua a laissé un pauvre petit grain de riz.